Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, je vais vous parler du mode priorité vitesse. Alors, mode priorité vitesse, qu'est-ce que c'est? Donc, vous prenez le mode priorité vitesse. Sur Canon, ça sera TV, Time Value. Et sur Nikon, c'est S pour Speed. Avec le mode priorité vitesse, vous allez choisir ce mode à chaque fois que vous allez avoir besoin de gérer le mouvement de votre sujet. Ou votre mouvement à vous. Mais bon, vous avez la stabilisation pour ça. Le mouvement de votre sujet, c'est-à-dire une photo de sport, photo de tout sujet qui est mobile, parce que vous voulez figer le sujet ou le laisser filer, avoir un côté créatif avec le mouvement. Alors, le mode priorité vitesse, comment ça fonctionne? Vous faites un choix de vitesse, vous imposez votre vitesse à l'appareil photo, vitesse rapide ou vitesse lente, c'est vous qui voyez, et l'appareil, lui, en contrepartie, en échange, va vous mettre un diaphragme adapté pour avoir la bonne exposition, adapté à la photo que vous êtes en train de faire. Après, bien sûr, en amont, vous avez fait votre choix de sensibilité ISO pour qu'elle soit adaptée aux conditions de lumière du moment. Donc, ou alors, vous avez fait le choix de prendre une sensibilité ISO auto. Comme ça, vous êtes tranquille de faire ce que vous voulez. Vous ne vous souciez pas de la sensibilité ISO, l'appareil s'en charge. Donc, faites attention par contre, vous avez fait un choix de vitesse. Il arrive parfois que votre diaphragme, votre objectif, parce que vous êtes limité avec les diaphragmes de votre objectif ne puisse pas ouvrir suffisamment, parce que la zone, l'ambiance est trop sombre. Votre diaphragme est ouvert au maximum et ne peut pas ouvrir plus pour vous satisfaire dans votre choix de vitesse. Donc votre diaphragme va clignoter. Donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Augmenter votre sensibilité ISO. Comme ça, vous serez tranquille et vous pourrez faire votre photo. Merci à vous. Voilà comment fonctionne le mode priorité vitesse. Et je vous dis à très bientôt sur commentphotographier.com. Si je vous encourage à vous inscrire pour profiter des bonus vidéo gratuits. Dans ces bonus vidéo, je vous montre comment réussir des portraits de qualité professionnelle au flash comme en lumière naturelle. Vous aurez ensuite une vidéo gratuite sur comment réduire le bruit dans Lightroom, grâce à Lightroom, et un livret PDF gratuit dans lequel je vous expliquerai quel appareil acheter en fonction de vos choix et de vos besoins. Merci à vous et à très bientôt sur commentphotographier.com.